Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. Wesh les gars, c'est Sergi, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons jouer à Football Life 2023. Alors c'est la mise à jour, c'est juste une vidéo test. On va voir ensemble ce qu'il y a dans cette mise à jour. Le lien est dans la description pour ceux qui veulent le télécharger. Alors on va voir le gameplay. D'après, le gameplay est plus difficile que celui d'avant. Là vous voyez, j'ai mis tous les joueurs qui ont joué aujourd'hui. J'espère que le Real va gagner. Et on va tester ça. Je joue en tant que Real, je joue pas en tant que football. Je joue pas en tant que Liverpool. Allez, c'est parti. Ah, ça a l'air plus fluide, les gars. Ça a l'air plus fluide. Ça a l'air plus rapide. Bien, c'est moi qui joue. Pourquoi je joue en mode rapide, en fait? Ça a l'air plus fluide, hein. Attendez, je diminue un peu la vitesse de jeu. Voilà, c'était moi qui jouais très rapide, là. Je commençais à me dire... C'était un peu trop rapide là. Oui, mais c'est un peu plus rapide. Les contrôles, comme vous voyez, c'est plus rapide. Mais les difficultés, je sais même pas quelle difficulté je joue. J'espère que je joue pas de légende, hein, parce que je risque de me faire massacrer en plein live. Ouh, c'est rapide, les guys. C'est vraiment. Alors, comme je disais, le lien se trouve dans la description pour ceux qui veulent télécharger. C'est très facile à installer. Et puis vous. Si vous avez déjà téléchargé Football Life, donc vous savez, vous n'avez juste qu'à appuyer sur le lien pour installer. Attention, je suis en train de me faire dominer là. Alors comme j'ai dit, si vous ne savez pas installer le jeu, j'ai aussi mis une vidéo dans la description. Attention, il faut que je passe vite là. Ah là là, c'était bien joué là. En tout cas, ils ont très bien fait, en tout cas, les guys. Je trouve le gameplay encore mieux. Ils ont mis à jour les mercato. Alors, j'espère que Liverpool pourra faire une remontada à Real Madrid. Vous savez bien que je suis barcelonais, mais je n'y crois pas vraiment. Les Real, ils sont très forts. Pas pour rien qu'ils sont... C'est le rival de Barça. On va centrer un peu là. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Le premier but. Tout est magnifique dans ce but. But magnifique de Vinicius Junior. On va revoir ce but ensemble. Très beau but en tout cas de Vinicius. Vinicius Junior, et c'est parti pour... J'allais dire pour la deuxième mi-temps, mais c'est pas la deuxième mi-temps. Mais pour l'instant, je trouve que cette mise à jour 3-3, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ils ont mieux réglé les réactions de l'IA. Et on voit bien que les contrôles, c'est plus rapide. Bon, c'était déjà rapide, mais là, on trouve que c'est un peu plus rapide. Et surtout, les passes sont un peu plus précises. Attention. Comme ça pour Liverpool, j'aimerais voir un bon match ce soir. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et liker la vidéo si vous êtes déjà abonné. Salut, à plus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.